Fonko. In the Manding language, Fonko means the thing. In Wolof, to take care of each other. The great musical revolution of today takes place in Africa, where urban club music is merging with traditional styles. New technology and swift communications has released the super talents of the continent, spreading music, arts, and ideas to the rest of the world. In episodes, we will take you from Dakar in the west, through Accra, Lagos, and Luanda, to Johannesburg in the south, to meet the most prominent and eloquent musicians on the continent. Fonko. Nandangay fontu do tantu focus ci ndam li de ko xéer di pousse xous festal li ndam li jog jog ci kaw xel won la tuuti rek nga daw xel suñu bal tàkk na dara dañu téyé ci won la ñu mëna jël gëna wéré di gëna soo il gëna téré di ki xëng rap jor maak sërëg yi hip hop gal sen dun wéré yi am the ghost right. This is Dakar. For ages, a crossroads between Europe, Africa, and the Americas. New trends arrive here and are transformed and spread across the region. Since the early 90s, Dakar has been the unrivaled center for the West African hip-hop scene. Le Galsen hip-hop, c'est vraiment une force linguistique, quoi. C'est, on peut dire, c'est le changement des mentalités en Afrique. Parce qu'avant, on avait... je veux dire, le français, il fallait vraiment bien parler français. Tu parles bien français pour que tout le monde t'écoute. Tu es là, tu fais comme Senghor. Mais maintenant, tout le monde veut faire comme Daara J Family. Tu veux parler Wolof, nga wax sa làkk ñëpp di la dégg. Wala nga wax ko ci séeréer, wala ci joola, wala ci mandinka, wala ci English bu la neexee. Faut qu'on dise qu'on est pauvre. Quand on dit qu'on est pauvre, ils nous disent qu'ils nous sourdisent. Plein de choses, mais qui dit gouvernement, donc qui dit... It was by switching from French to local languages that hip-hop pioneer Didier Awadi rose to fame. With his group Positive Black Soul, he's generally seen as the founder of the West African hip-hop movement. Donc l'image de l'Afrique était toujours... folklorique, quoi, ou bien exotique, guerre, sida, l'Africain, machin. Tu vois, l'image bad de l'Afrique, on voulait montrer une image positive. C'est pour ça qu'on appelait le groupe Positive Black Soul. Mais brusquement, boum, ça a pris partout. C'était devenu un phénomène local parce que c'était du Wolof. On parlait des réalités de tous les jours que les gens vivaient et ça a pris. Brusquement, on s'est retrouvé à avoir plein de groupes qui faisaient du... Dans tous les quartiers, il y avait des groupes. Les gens te parleront de 3000 groupes de rap au Sénégal. Senegal became independent in 1960, and this was the start of Dakar's days as a musical metropole. Like many of the new African states, Senegal, under poet-president Léopold Senghor, put big efforts into strengthening the local identity. This was also the time when Cuban and Latin American music flowed back across the Atlantic and became immensely popular in Africa. The Senegalese singer Cheikh Lo is a veteran of the West African scene. Dakar, c'est un carrefour musical. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus de l'Europe, des États-Unis, un peu partout en Afrique, qui sont venus à Dakar. Et il y a beaucoup de cabarets. Dans la semaine, chaque jour, il y a des endroits où les orchestres ils jouent. Quoi. Je me suis adonné à la musique, j'ai commencé au Burkina. C'est là où j'ai eu peut-être beaucoup d'influence. Un chanteur burkinabé, chanteur malien, chanteur congolais, chanteur ivoirien et des fois aussi un chanteur ghanéen qui joue du high life. Donc moi, j'ai joué la batterie pendant tout ce temps, j'ai joué les différents styles. Et c'est là où j'ai commencé, c'est mon école de la musique. Parce que je n'ai pas été à l'école pour apprendre des croches ou des rondes, pour lire et tout. Donc je suis autodidacte. Youssou N'Dour first rose to fame as one of the creators of mbalax music, today considered as the national music of Senegal and the Gambia. Its roots are in traditional drumming, known as Sabar, mixed with Cuban and Latin American music. Le Sénégal a été vraiment un pays qui a pris beaucoup de la colonisation, mais qui a gardé beaucoup plus de sa culture et de sa façon de faire. Et c'est pour cela que peut-être nous avons des musiques avec une forte personnalité, densité culturelle, qui ressemble vraiment au pays, qui presque devient une langue qu'il faut apprendre pour la comprendre. La musique cubaine a toujours été populaire ici et reste toujours très connue. Et cette musique était vraiment la musique référence des orchestres ici. On était obligé, non, on voulait bien, ça nous plaisait, de toucher à la musique cubaine, de commencer à chanter avec notre langue, le Wolof, ensuite d'introduire un peu des sabars, qui étaient des percus un peu traditionnels qui arrivaient dans la musique cubaine. Ensuite, au fur et à mesure, on a pensé que les timbales pouvaient être bien, mais aussi avec une batterie, ça donnait un autre son. Donc voilà, on a évolué au fur et à mesure pour quitter la musique latino-américaine, cubaine, pour arriver à une musique vraiment complètement sénégalaise. Même si on voit les instruments modernes, c'est la façon de jouer était complètement sénégalaise. C'est ça qu'on appelle le mbalax. On voit maintenant le paysage musical sénégalais. On voit que toutes ces choses qu'on a osé faire dès le départ sont des pistes très intéressantes pour les artistes, selon leur engagement, leur style de musique, ce qu'ils ont envie de faire. The next big wave of music that came to West Africa across the Atlantic Ocean was hip-hop. Passing through Paris, it soon became big in Senegal. Today, Dakar is the unrivaled center for the West African hip-hop scene, and one of the most influential groups is Daara J. Depuis le départ, le rap constitue un mouvement de contre-pouvoir qui est là justement, tout comme l'Assemblée nationale. On a notre voix et on peut influer sur la manière de penser de la population. Quelque part, notre musique est, on peut dire, le miroir un peu de la nouvelle génération, mais aussi ça détermine, ça donne le pouls de la société. The world recession in the early 90s struck hard in Senegal. The West African franc was devalued. The public sector was cut. And the price restrictions on food were lifted. This started a period of unemployment and unrest, and the exodus to Europe grew so big that it became a national trauma. Everyone knows someone who has fled for the West or died trying. Souvent ils disent que ils disent Barça ou la Barça. Barça c'est Barcelone et Barça c'est au-delà, c'est mourir en fait. Donc au lieu de mourir pauvre et de voir en face tes parents ou ta famille, ils n'ont rien, tu n'as pas de quoi leur donner, ils n'ont pas de quoi manger. Ils préfèrent prendre des bateaux, des bateaux de fortune où il y a beaucoup de dangers. Ils préfèrent ça que de rester ici et de mourir pauvre, quoi. Mais aujourd'hui, les gens prennent de plus en plus conscience au fait qu'ils peuvent travailler en Afrique et s'en sortir. Et c'est vrai que l'Europe nous a toujours projeté une image à travers les médias, une image de Eldorado, où ils disent que donc beaucoup de gens sont morts avec ça. Et aujourd'hui, voilà, avec des messages comme Daara J Family, comme nous on fait, on arrive à dissuader certains de ne pas partir, quoi, qui voient que en Afrique, tu peux réussir. This is where we were raised, and this is where we grew up, and there is nothing like home. There is no probably search here. People won't stop us to see if we have drugs on us or stuff like that. You know, here we're free to walk down the streets without being looked down. You know, people respect us and we respect people too. So there is nothing like home. This is paradise. This is where you can go anywhere and just sit down and they will serve you some meal. Like, this is the Senegalese hospitality. And TIA, this is Africa. People used to look on, only on the bad sides, but just know that here, anybody's home. Anybody's home. Africa is the motherland. Once you come here, you're gonna feel that you're in heaven. Yes, yes, welcome aboard the Afro Boss Airlines. It's the Afro Boss in the building. So, we got big tunes from Mozambique, Tanzania, Angola, Ghana, just to name. You can clearly say that's African music, that's from Nigeria, that's from Ghana. The identity of African music is actually coming out and shining out now, as opposed to back in the day when, like, oh, that's world music. You wouldn't care where they were from, unless they were put on a compilation and you had to read out the information. Yo, he's from Senegal, he's from Mali, he's from, you know, Nigeria, but you would never know that. But now, they've been allowed to do their sound, express themselves how they want. These are all West African kind of, you know, there's something about West Africa that makes you want to churn out music that really affects the rest of Africa, and people are now paying attention to them. Because not only has it given us a history and organic African music, they've also gone this new direction where they always tend to, kind of like they always lead the way. Mon nom est Fatou Mandeng Diata, alias Sistefa. Et je suis rappeuse, chanteuse, en même temps je suis activiste, défenseur des droits humains. Et je suis sénégalaise d'origine casamançaise et j'habite à Berlin depuis déjà, je crois, 7 années. Le truc, c'est que c'est très magique avec la musique. On peut tout faire. Donc, on prend des messages très puissants, très forts, on les met dans la musique et on essaie d'aller vers les gens et leur dire, écoutez, c'est pas une arme, mais c'est une fleur qu'on amène pour vous, pour que vous puissiez éduquer vos enfants. On s'est dit que la musique commence là où le langage s'arrête. Donc, comme je dis que je suis activiste et défenseur des droits de l'homme, donc je n'ai plus honte de le dire, que je suis aussi victime de l'excision. Je me suis toujours considérée comme une personne qui n'est pas complète. C'est comme s'il me manque une oreille, ou bien je marche sans nez, ou bien un doigt me manque. Donc je me suis dit, je ne vais pas en faire un drame, mais je vais prendre mon statut de quelqu'un qui sait de quoi elle parle, afin d'expliquer les jeunes et leur dire tous les dangers qui sont directement liés à cette pratique et leur faire savoir qu'ils peuvent éduquer leurs enfants sans pour autant utiliser certaines pratiques ancestrales qui peuvent nuire à leur santé et à la santé de leurs enfants. Les rappeurs sénégalais sont très engagés. Je me rappelle, en 2000, il y avait les rappeurs qui ont fait des compilations pour encourager les jeunes à aller voter. Aller voter au lieu de jeter des cailloux. On a fait beaucoup de choses pour critiquer les gouvernements, pour encourager les jeunes, leur faire savoir que vous pouvez mieux décider, hein, si vous pouvez aller voter et décider par rapport à ça. On est bien. Merci. And then easy way that you could made it time to play it. You watch it once, you rush it, answer the time to play it. Yo, what's up, zikre? Hot in the street, the bank and the people feel it. Whatever in fever, shots in leader, kneeler, underground rap, new weeder. You say the levines, you whittle it, did the prize, we yeggle it, find me, Johnson, yeggle it, drives me, fanger, keep his eyes, we dickle it, neck, if he asks me. Every day, you get sound, fecker, bigger, be town, no to offer the dough. That's why we roll. The hip-hop artists have shaped the political history of Senegal In the 2000 elections, they called on the youth to go and vote to end the long reign of President Abdou Diouf. The opposition leader, Abdoulaye Wade, won the elections, promising to help Senegal's growing young population. But Wade soon grew even more unpopular than his predecessor. After serving for 2 periods, he was allowed to run for a 3rd, even though the constitution didn't allow it. Massive protests followed in Dakar, and once more, it was the hip-hop artist that organized the resistance. Using the battle cry, "Yen Amar, we have had enough," they called on people to vote for the opposition. Wade lost the elections. ak sa gox jógal dox ak sa gox dafa jox jàmbaar nga dox bul nekk yambar sa gox looy xool jógal jàmbaar sa gox bokk ci mairie saytu juuti ak patenti. Les élections passées, on a encore montré un autre pas pour montrer que les rappeurs ne sont pas là seulement pour agacer les gens. On est là aussi pour soutenir la population, pour dire, pour se battre pour eux. Si je pense que si ce n'était pas le mouvement Yen Amar avec tout ce mouvement du M23, avec les rappeurs sénégalais qui ont soutenu le mouvement, je pense que Wade serait toujours là. La situation politique au Sénégal, écoute, c'est simple, hein, il y a eu des élections. On a pu, avec tous les mouvements sociaux, se libérer du président Wade qui voulait un 3e mandat. C'est bien, mais le vrai combat, ce n'était pas seulement une élection, c'est le système en lui-même qu'il faut changer. Il y a une nouvelle équipe, ils ont promis de changer le système, ils sont encore là, c'est tout nouveau, soit on les observe. Et si ça ne marche pas, we go back in the street. Et ils le savent. Donc pour le moment, c'est la période où on les observe un peu, en espérant qu'ils vont respecter le contrat moral qu'il y a entre eux et le peuple qui les a élus. Et j'espère que les nouveaux dirigeants vont comprendre qu'ils sont là pour servir et non se servir. Parce que la démocratie n'est pas un système seulement bon pour l'Occident. C'est un système normal, humain, comment je vais dire, je perds le mot. C'est un système naturel. Les hommes choisissent naturellement, pas un système où c'est la majorité qui choisit un leader. C'est un système démocrate. Ce n'est pas une création venue seulement de la Grèce. Awadi named his recording studio after Thomas Sankara, the iconic former leader of neighboring country Burkina Faso. Sankara was a strong advocate for African self-sufficiency. Today, Sankara has become a Che Guevara-like figure all over West Africa. Oui, c'est bon. Ici, c'est le studio Sankara, donc c'est là qu'on travaille, comme je te dis, c'est là qu'on a essayé de créer les conditions de notre indépendance. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller aux États-Unis ou en France pour faire notre album. On reste ici et on enregistre dans de bonnes conditions. C'est possible. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent. Thomas Sankara, qui est le président du Burkina Faso, a été assassiné en 1987, okay, le 15 octobre. Mais avant qu'on l'assassine, ce monsieur, il nous a prouvé qu'on peut être un président africain et ne pas être un voleur, ne pas être un dictateur, aimer son peuple, travailler pour son peuple et se sacrifier pour son peuple. Ataya, c'est la paix. On voit vite fait que les gens viennent partager les tasses. On profite toujours de ces moments-là pour discuter de notre avenir, parler de nous, de la réalité. C'est ce qui fait que le Ataya est très bien respecté et aimé par tous les Sénégalais. Voilà. Cheers. Africa crying. Ils ont démarré comme notre génération notre porte, c'est plutôt hip-hop. C'est ça notre porte. Tous les jeunes chanteurs sénégalais. Aujourd'hui, il y a hip-hop. Quelque chose est en train de naître. On ne sait ce que c'est. Mais bon, le temps nous le dira. Je ne peux pas l'appeler une chance, mais en tout cas, j'ai compris très tôt que je ne peux pas être comme les Américains. Après cette compréhension, j'ai compris, et là c'est une chance, de comprendre à travers cette compréhension que je ne veux pas être comme un Américain. Donc je suis bien dans ma peau, je suis bien en tant qu'Africain, et j'ai ma place dans le monde. Quelle que soit la place, je serai toujours fier de cette place-là. Donc ce qui fait que je défends l'originalité, la réalité africaine, en mettant les instruments traditionnels bien de chez nous, tels que la kora, djembe et le khin, qui est très spirituel comme instrument, comme de musique. Voilà, donc ce qui fait que Karoli aujourd'hui a un style que moi j'appelle le zikre. La musique et le zikre, c'est un chant très spirituel bien de chez nous, et c'est chez les Baïfal. Voilà. Quand les gens tout d'abord me demandent par rapport à l'Europe, même le projet que j'ai fait, quand j'en parle avec un peu de retenue, parce qu'ils se disent, elle ne fait plus partie de nous, elle est maintenant dans un autre monde, elle se sent européenne. Mais j'en parle avec mes amis et je leur dis ce que je pense, bien qu'ils n'acceptent pas, mais ils te disent toujours genre, hey, Fatou, s'il te plaît, nous, tout ce qu'on veut, si tu peux nous aider à venir en Europe, fais-le. Nous, on s'en fiche pas mal ce qu'on va trouver là-bas, parce qu'on sait que là-bas, ça ne peut pas être plus compliqué que ce qu'on vit ici au Sénégal. Parce que là-bas, certes, j'ai l'habitude de le dire, tu peux avoir 0 franc. Mais ici, tu peux être dans le munus, c'est-à-dire sans argent, sans famille, sans bonheur. Alors qu'en Afrique, tu peux ne pas avoir de l'argent, mais tu as ta famille. Peut-être tu as aussi le bonheur, parce que les gens qui t'entourent, ils peuvent t'aimer. Dans ma propre famille, mon propre cousin avec lequel on mangeait dans le même bol. Il est mort dans le bateau, dans une pirogue, et je pense qu'ils ont jeté son corps dans la mer et ils nous ont dit que, oui, il était debout, il avait des vertiges, puis il est tombé dans l'eau. Mais c'était pas ça. Moi, je dis à mon père que je pense qu'il était mort et eux, ils ne pouvaient pas voyager avec lui et ils l'ont jeté dans la mer pour les poissons. Donc, c'était vraiment une tragédie pour ma famille. Il s'appelle Famara Badji, nous on l'appelait Badio, qu'il repose en paix. Donc il fait partie de ces victimes de Sénégalais et d'Africains qui ont voulu rejoindre l'Europe. Sénégal, pas de bap, son de Pétia, de Bodak Studio, Sambation on the video. Ok. Fire Babs, what up? Bazik, what up? MYD, what up? Kurai, what up? Dream 93, the crazy boys. Gonna you gonna your crazy voice. Made the choice, one in the voice. The baggy the cap, the biggest cap. Japetic flow, jochetic rap. Tambale rattle, and the big dip on the bindagot and the big stop. Et moi, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, I rap and I live and I do it for love. So, l'homme que je suis ici, c'est l'homme qui est dans la chambre, c'est l'homme qui est on stage. I stay the same guy. Bring it back. Yeah. Right the fam, what up? Sunu Kadu, what up? Gotta say, what up? Living with my philosophy, cause I come from like a really hard place, a hard, and the guys, you know, insecurity, you know, healthy, you know, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de problèmes dans le milieu d'où je viens. Donc pour moi, Ma première mission, c'est de les représenter, de dire les choses qui se passent. Eux, ils peuvent, on ne peut pas les entendre. Mais moi, j'ai une arme, j'ai ma musique. Donc, ce qu'ils disent tout bas, moi, je le dis tout haut. Et en dehors aussi de cet aspect protestataire, je fais aussi de la bonne musique. Parce qu'on ne peut pas être dans le coup, dans le ghetto, vivre dans des conditions vraiment... Parfois, on a besoin de... ne serait-ce que d'écouter de la bonne musique. Une musique qui nous ressemble. Une musique qui raconte des histoires qu'on voit tout le temps dans la rue. Moi, je le dis souvent, mon inspiration, je ne vais pas la chercher. Elle me trouve tout le temps dans la maison, quand je sors dans la rue. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin pour chanter. We are a big network of Sankarists everywhere in the world. And we really believe that with this kind of idea, we can change our life, the life of people living with us. Even if we killed Sankara in '87, we still believe that, you know, we still ask him for justice first, and we still believe that that was the best example. But you can kill a man, but not his ideas. And they killed Sankara, but Sankarism is everywhere now, whether you want it or not. And he will have it on his face every day. We want Sankara back. We want the ideas of Sankara back. We want the philosophy of Sankara back. And we need to continue his fight. And we will do it.